Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous serons au plus près de vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales de France et des Indé Radio. Nous sommes donc ensemble pendant une heure et demie et au menu du jour, le Sénat qui a consulté les maires tout l'été sur leur état d'esprit et les violences dont ils sont victimes. Une consultation qui a pris fin hier. Nous en parlons avec le sénateur Jean-Marie Bockel. Il est déjà sur ce plateau. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représenté ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous serons dans la Creuse pour parler des conséquences de la sécheresse. Et enfin, le Club des territoires avec notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons entre autres des municipales. Mais avant cela, un résumé de l'actualité de ce lundi 16 septembre. La réforme des retraites continue de mobiliser. Après la grève très suivie à la RATP vendredi, c'est aujourd'hui au tour des avocats, des médecins, des infirmiers et des pilotes de ligne de descendre dans la rue. C'est un procès politique, une exécution. Ce sont les mots hier de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise comparaît jeudi et vendredi pour les incidents survenus lors de la perquisition mouvementée au siège de son parti. Nicole Belloubet dénonce des propos indignes et inacceptables. Cap sur les municipales pour le Rassemblement national. Marine Le Pen faisait sa rentrée politique ce week-end à Fréjus. Elle veut s'implanter localement, a insisté sur la fracture territoriale avec en ligne de mire la prochaine présidentielle. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu du Haut-Rhin, siège dans le groupe Union Centriste, préside la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Bockel, merci d'être avec nous pour cette première émission de Bonjour chez vous. On va bien sûr parler du malaise des maires, de la consultation du Sénat, mais avant cela, une question d'actualité qui concerne une mairie, celle de Levallois-Perret. Son maire, Patrick Balkany, a été condamné à de la prison ferme pour faute fiscale. Son épouse Isabelle Balkany, elle aussi condamnée, mais pas incarcérée, lui succède à la tête de la mairie. Est-ce que, comme Nicole Belloubet, vous trouvez ça choquant ? Moi, je trouve simplement, et ma réponse sera brève, qu'on est dans la logique de leur système à Levallois-Perret, tout simplement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a à la fois une symbiose forte avec les habitants. Depuis tant d'années, il y a forcément une satisfaction, une proximité. Et de l'autre côté, un système qu'on pourrait qualifier de clientéliste, d'une certaine manière, c'est ce qui continue, tout simplement. Voilà, on n'est pas. Problème, est-ce qu'Isabelle Balkany. Non, il n'y a pas de surprise. Je ne suis pas surpris. Pas de surprise, mais un problème. Où on parle pendant une demi-heure de la question du clientélisme. Et du refus du clientélisme, qui est quand même la règle dans la plupart des communes. Il faut être à la fois au service, dans la proximité, mais garant de l'intérêt général et respectueux des règles. Et alors, ce sujet a un intérêt, y compris au regard de ce qui se passe à Levallois-Perret. Mais on ne va pas parler d'une séquence de ce système. C'est une séquence qui ne surprend personne. Voilà ce que je peux dire. On a bien compris. On va parler, bien sûr, du malaise des maires, de cette consultation du Sénat. Puisque la mort du maire de Signes cet été a mis un peu plus en lumière ce malaise des maires. Pour le comprendre, nous avons voulu donner la parole aux premiers concernés, les maires eux-mêmes. Regardez ce reportage dans le Puy-de-Dôme de Quentin Calmé et Jonathan Dupriez. Nous sommes à Saint-Myon, un village de près de 500 habitants, à une demi-heure de route de Clermont-Ferrand. C'est ici que le 9 août dernier, le maire a été agressé par l'un des habitants du village. Et depuis, l'émotion est intacte ici. Mais cette émotion, elle a dépassé les frontières du département pour nourrir un débat national sur la relation compliquée entre certains citoyens et leur maire. De son côté, l'élu, depuis un mois, se dit toujours traumatisé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. 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 C'est au cours d'une banale visite auprès d'un de ses administrés que le maire a échappé à un coup de couteau d'un jeune habitant de son village. Le garçon, auteur de l'agression, s'est précipité sur moi avec un couteau.
Ce couteau était un couteau, alors j'ai dit de boucher souvent, mais peut-être de cuisine, avec une lame longue comme ça, avec le bras en l'air, et en criant, je vais vous tuer, je vais vous tuer, je vais vous tuer. Vous avez votre sang qui tourne là, vous voyez votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, tout se déroule dans un quart de seconde, ou millième de seconde, vous savez plus où vous en êtes. Hein. Comment est-ce que vous diriez que vous vous sentez un mois après cette agression ? Je suis atterré. Je suis atterré parce que je crois que j'ai toujours essayé de faire du bien dans cette commune, avec mes équipes, hein, pas moi tout seul. Simplement, depuis des décennies, nos gouvernements n'ont rien fait pour dire que les maires étaient le trait d'union de la République. Selon le maire, c'est la fonction qui n'est plus respectée. Aujourd'hui, l'élu n'entend pas en rester là, il a déposé plainte auprès des gendarmes. Il est important de déposer plainte pour marquer le fait qu'un maire d'une commune rurale a été agressé sauvagement. Et ça, il ne faut pas le laisser passer. Dans cette démarche, le maire est accompagné depuis le premier jour par l'association des maires de son département. Un accompagnement indispensable. Qu'est-ce que ça change pour le maire que vous soyez avec lui dans ce dossier, notamment sur l'aspect juridique ? Je pense que c'est un appui très très important, parce que le maire est seul. Pour l'instant, il n'y a pas de protection fonctionnelle. L'État n'accompagne pas les maires. Aucune autre association ne peut accompagner les maires. Et je crois que c'est le seul recours pour nos collègues. Ça revient à combien pour l'association d'engager ces frais ? Parce qu'on sait que c'est des frais qui sont importants pour un maire. Ce sont des frais importants. On en est sur le mandat à... Alors là, vous voyez, j'ai toute la liste des actions qui ont été entreprises par les maires. De tête, c'est 36 000 euros au cours de ce mandat. Depuis 2014. Voilà. Et nous avons récupéré, entre guillemets, parce que la plupart du temps, nous ne pouvons pas récupérer, les agresseurs étant insolvables, 3 000 et quelques euros. Vous voyez la proportion. Hein. Au total, depuis 2014, ce sont ainsi une vingtaine de cas qui sont remontés d'élus agressés dans le Puy-de-Dôme. On dit que de nombreux maires ne vont pas repartir. Je crois que c'est dommage. C'est dommage pour notre population. C'est dommage aussi pour notre démocratie, quelque part. Parce que la commune, et je le rappelle à chaque Assemblée générale, c'est la cellule de base de notre démocratie. Élu menacé, voire frappé, les agressions de maires ont fait la une de la presse tout l'été. En 2018, ce sont au total 361 maires ou maires adjoints qui ont été victimes d'agressions. Un phénomène que le gouvernement entend enrayer avec le projet de loi Engagement et Proximité, présenté par Sébastien Lecornu en octobre au Sénat. Jean-Marie Bockel, vous avez entendu dans ce reportage ce témoignage très fort de maires. Quelle a été votre réaction ? Tout est dit. Même si on peut penser que les agressions physiques, environ 140 sur les 360, sont peu nombreuses par rapport au nombre de maires, mais derrière, il y a toute une série d'insultes, de mauvais comportements qui créent une forme de stress. On disait jusqu'à présent que le maire était encore préservé par le rejet des politiques. C'est en partie le cas, mais sa pression, la pression qu'il subit est au maximum. Là, ce n'est pas forcément des agressions, mais on attend tout de lui. Et les agressions sont de plus en plus nombreuses. Alors, il y a à la fois cette image atteinte, parce qu'il n'est pas suffisamment protégé, défendu. Et puis, il faut bien le dire, il y a de plus en plus de personnes qui, soit pour des raisons psychiatriques, soit tout simplement pour des raisons de stratégie de la menace et de la tension, considèrent que c'est normal. Je vais vous dire, on a tous une histoire à raconter. Moi, je n'ai pas été maire pendant 20 ans, 21 ans d'un petit village, mais d'une grande ville, Mulhouse. Je n'oublierai jamais les quelques agressions verbales fortes, limite bousculades, etc. Je ne vais pas les raconter, mais où on s'en est pris à moi-même, à ma famille, à mes enfants. Et ça, c'est des choses... Vous avez été victime personnellement, vous ? Des attaques verbales de ce type et par des gens que je savais capables de tout.
je n'en dirai pas plus, hein, mais dans certains métiers, ça fait partie des négociations avec les communes. Hein. Je pense notamment à un déplacement de sites hein, de foire expo et donc de foire foraine. Quoi, hein. Eh bien, je peux vous dire que pendant des mois, ça m'a réveillé la nuit, ça m'a stressé. Je n'ai pas reculé d'un pas. À la fin, l'histoire s'est bien terminée. Et tout le monde, y compris les intéressés, ont trouvé qu'on avait eu une bonne négociation. Mais l'épisode menace, bousculade, menace contre ma famille, mes enfants, on connaît vos enfants, leurs prénoms, c'est à quelle école ils vont, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est pour dire que ce genre de choses nous parle à tous. Et on a sous les yeux les statistiques du ministère de l'Intérieur, il faut s'en méfier. Parce que ces chiffres sont relativement faibles. Je pense que Philippe Bas, le président de la Commission des lois, cet été, il m'a téléphoné, il a consulté d'abord. En lançant cette initiative, a eu raison. Ça permettra d'avoir un regard plus clair, plus précis. On va parler de cette consultation, mais sur le constat, vous venez nous dire les maires ne sont pas assez protégés. C'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est une responsabilité du gouvernement? Est-ce qu'il faut que ça passe par la loi? Bon, il y a tout ne doit pas être dans la loi, hein, sur le statut des élus, on va en reparler. Mais la question, il y a à la fois la question du risque pénal, hein, parce que ça, ce n'est pas le reportage, mais ça vient également souvent, c'est-à-dire des maires qui sont pénalement responsables, même de faits involontaires. Hein, et souvent, hein, ça les stresse énormément et ça contribue à la crise des vocations. Là, il y a une question à laquelle il faut apporter des réponses. Et puis, il y a cette question-là sur laquelle ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, comme le disait la présidente des maires du Puy-de-Dôme, hein, c'est-à-dire ne pas être seul hein, pour se défendre, hein, y compris sur un plan judiciaire. Ça, c'est un point important sur lequel le texte peut et s'apprête, je pense, à apporter quelques éléments qui vont clarifier les choses. Et rien que de savoir ça... Déjà, on se sent moins seul. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité des administrés eux-mêmes, peut-être trop exigeants envers leurs maires qui en attendent trop? Alors, je ne voudrais pas amalgamer cette question qui est croissante, hein, des attentes de plus en plus fortes avec la question des agressions. Hein. La plupart de nos concitoyens, hein, même quand ils sont insistants, voire agressifs dans les réunions, ça n'a rien à voir avec cette question des agressions, des menaces, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur une démarche de plus en plus consumériste qui exige à la fois d'avoir réponse à tout, y compris des questions qui ne sont pas de la compétence des maires, qui exige, alors pour le coup, ça c'est pas anormal, une technicité, hein, des compétences, des services à ses côtés qu'on n'a pas toujours, et ça pose beaucoup de questions. Ça pose la question des moyens dont disposent un certain nombre de maires, des moyens humains dans des petites communes. Ça pose la question, bien sûr, de la mutualisation de ces moyens. Hein. Ça pose aussi la question de savoir comment expliquer qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, hein, donc l'appel à un certain bon sens, mais je crois qu'on est au cœur des problèmes de notre société. Et le maire, évidemment, est entre le marteau et l'enclume en permanence. Si vous rajoutez à ça des réglementations tatillonnes, la multiplication des normes, hein, des instructions nombreuses, contradictoires, des lois à répétition, ça fait beaucoup. On va parler des réponses à apporter. Vous parliez de cette consultation du Sénat, consultation lancée cet été. Le Sénat a décidé d'envoyer un questionnaire à tous les maires. La consultation a pris fin hier et pour en parler, on accueille notre journaliste parlementaire Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors, Jean-Marie Bocquel. Bonjour. Je le disais, la consultation a pris fin hier. Comment s'est-elle passée ? Mais écoutez, elle a plutôt bien fonctionné. Cette consultation a recueilli au total 3677 contributions de maires sur les menaces auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Alors, au-delà du décès du maire de Signes, tragique cet été, c'est la situation générale d'insécurité des maires qui a interpellé les sénateurs et qui les a poussés à organiser cette consultation. Alors, regardez ces chiffres marquants. En 2018, il y a eu 361 agressions de maires enregistrées par les forces de l'ordre, avec 60% d'agressions verbales, des menaces, des injures, notamment sur les réseaux sociaux, et puis 40% d'agressions physiques de maires qui sont allés sur le terrain au contact de leurs concitoyens. Alors pour l'instant, il est encore trop tôt pour faire le bilan de cette consultation du Sénat, mais certains éléments reviennent dans les témoignages. Écoutez la sénatrice centriste Françoise Gatel, membre de la Commission des lois. Il y a une forte attente des élus locaux d'accompagnement
à la fois par les services de police et de gendarmerie, c'est-à-dire on constate que quand il y a eu des agressions à l'encontre des maires, la qualité, on va dire, du traitement, du recueil de la plainte, du traitement et du suivi est encore aujourd'hui un peu inégale. Il en est de même au niveau de la justice, où parfois la justice est indépendante, certes, mais parfois on a l'impression qu'il y a une sorte d'impunité pour les agresseurs et que les maires se retrouvent en position difficile. Alors l'enjeu, c'est maintenant d'analyser précisément toutes ces contributions et puis d'enrichir le projet de loi en faveur des élus locaux qui va arriver au Sénat début octobre. Alors le ministre en charge des collectivités locales, Sébastien Lecornu, a déjà commencé à faire des annonces supplémentaires, notamment en faveur de l'accompagnement psychologique des maires et puis du renforcement de leur pouvoir de police. Mais la majorité de droite du Sénat devra également apporter ses propres solutions pour garder la confiance avec les élus locaux. Et alors que la campagne des élections municipales a déjà commencé et c'est un objectif dans toutes les têtes. Merci beaucoup Alex. On Merci Oriane. Tout à l'heure, Jean-Marie Bockel, est-ce que cette consultation, elle apporte vraiment quelque chose ou au final, elle met en lumière ce que l'on savait déjà? Vous savez, mettre en lumière de manière précise, avec quelques milliers de réponses, il est certain que si ça n'avait pas été au cœur du mois d'août, il y aurait peut-être eu davantage de réponses, mais là, c'est quand même déjà significatif. Ça permet de bien savoir de quoi on parle, de manière à pouvoir mettre en face les bonnes réponses. C'est mieux qu'une impression un peu générale. Les statistiques du ministère de l'Intérieur sont connues, mais ça ne suffit pas. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est la partie émergée de tout ce climat qui est en train de se développer. Donc oui, c'est utile et je pense que ça arrive à point nommé puisque, comme l'a dit votre confrère, il y a maintenant une négociation qui s'est engagée, hein, à la fois avec M. Lecornu pour enrichir sur ces aspects-là, et lui-même d'ailleurs y est favorable, le projet de loi, mais alors également, également avec l'intérieur, etc. Enfin, sur quel point vous allez l'enrichir, vous et au groupe centriste? Si vous voulez, il faut dire déjà que sur ce sujet, nous sommes en lien constant, on les a encore reçus la semaine dernière avec l'Association des maires de France, au demeurant aussi en lien pas sur ce sujet encore, mais sur tous les autres sujets qui concernent les maires, avec les associations spécialisées. Je pense à votre reportage du Puy-de-Dôme, les maires ruraux, les petites villes, les grandes villes, etc. Donc nous avons un dialogue constant, nous ne sommes pas tout seuls. Ensuite, c'est des sujets, surtout au Sénat, sur lesquels les clivages partisans ne sont pas essentiels. Moi, je vois au sein de ma délégation, lorsqu'on a reçu les responsables de l'AMF, qui étaient d'ailleurs aussi dans une diversité politique, nous avions tous les groupes qui étaient présents et nous étions d'accord sur ces sujets. Les maires, en l'occurrence, là, pour le coup, ils n'ont pas d'abord une couleur politique. Hein. Donc, cela dit, que ce soit la délégation aux collectivités locales, que ce soit le groupe Union Centriste, oui, nous voulons, nous aussi, enrichir ce texte. Et par exemple, pour être précis, hein, sur la question de la sécurité, je sais qu'il y a des propositions pour renforcer le pouvoir des maires en matière de fermeture, enfin, ou de refus d'ouverture ou de fermeture de certains établissements ouverts au public. Il y a également l'idée de déléguer la compétence du préfet sur la question des débits de boissons, etc. Bon, c'est des aspects concrets, mais naturellement, ça ne suffit pas. Encore une fois, la question d'être accompagné sur le plan juridique et judiciaire, ça c'est important. Et puis il y a toute la dimension sécuritaire, prévention. Hein, quand il y a eu les problèmes de sécurité il y a une vingtaine d'années, on a créé des contrats de sécurité, on a associé les maires. Moi j'ai été vraiment très engagé dans cette affaire et aujourd'hui il y a un climat général de confiance entre les élus locaux et les autorités de l'État sur les affaires de sécurité dans les communes qui s'est amélioré. Cette question doit aussi avoir ce type de réponse globale, complète. On va suivre ce texte au Sénat puisqu'il arrive début octobre. Autre sujet qui inquiète Jean-Marie Bockel, ce sont les fermetures de services publics. On va regarder ce reportage à Bain de Bretagne où les élus se mobilisent contre la fermeture du centre des impôts. C'est un reportage de nos partenaires de TV Rennes. Les élus des 20 communes de Bretagne-Porte de la Loire Communauté se mobilisent contre le projet de restructuration des services des finances publiques. Ainsi, trois trésoreries seront appelées à disparaître dans le sud du département. Retier, Guichen et Bain de Bretagne. C'est-à-dire qu'entre Redon et Vitré, il n'y aura plus de trésorerie. Cela obligera éventuellement nos administrés à faire une heure de trajet pour aller dans un centre de finances publiques.
Une réorganisation d'autant plus regrettable que la trésorerie de Bain-de-Bretagne a récemment bénéficié de travaux aux frais de la communauté de communes, comprenant l'acquisition d'un immeuble. La communauté de communes a investi il y a 6 ans 600 000 euros pour offrir à la trésorerie un bâtiment de qualité et des locaux de qualité. Et aujourd'hui, au bout de 6 ans, alors que notre investissement, je vous l'ai dit, est de 600 000 euros, on nous dit bye bye, on s'en va. Je trouve ça un peu déplorable. Le plan de réorganisation de la Direction régionale des finances publiques prévoit la suppression de 14 trésoreries dans le département. Jean-Marie Bockel, cette fermeture annoncée du centre des impôts, est-ce que c'est l'illustration d'une fracture territoriale qui se creuse un peu plus ? Ce problème-là, du reportage, on l'a partout. Et je pense que la réponse, par rapport à cette fracture territoriale, dont ça peut être un des avatars, avec la disparition des commerces, de bourgs-centres, etc., la réponse est le discernement et le dialogue. Le dialogue ne suffit pas, parce qu'après, il faut des réponses. Le discernement, ça veut dire que tout le monde a à l'esprit qu'on demande aux administrations de l'État également de faire des efforts et que le monde change. Hein, la dématérialisation, etc., fait que les guichets, évidemment, sont moins fréquentés. Donc il est normal que ces administrations d'État, y compris des finances, se réorganisent. Après, on peut discuter de quoi ? On peut discuter avec les élus du territoire d'un certain équilibre du territoire. Hein. Quand une zone entière importante n'est plus du tout couverte, c'est quand même un problème. On peut discuter d'un calendrier. Parfois, les choses peuvent se faire progressivement. Et on peut aussi discuter, quand il y a un vrai dialogue, hein, c'est le cas parfois, de solutions alternatives. Parfois, ça peut être le guichet qui n'est plus ouvert à plein temps, avec pas assez de travail pour les employés, mais qui est ouvert, parce que tout le monde n'est pas sur, sur Internet, etc., à certains moments, à certaines séquences, dialogue avec les maires qui ont fait des investissements également, pour voir comment, dans certains cas, on peut trouver des solutions d'utilisation par les services de l'État. Voilà. Et à l'arrivée, bon, quand on a bien discuté, quand chacun essaie de comprendre les arguments, on peut avoir des solutions non pas satisfaisantes, mais de compromis acceptables qui préservent également la présence dans les territoires ruraux ou dans les territoires en difficulté. Quand l'administration, ça peut être parfois le cas, se comporte de manière verticale en disant « c'est comme ça, on doit faire des économies, on vous prévient, c'est l'année prochaine », c'est pas la bonne méthode. Quand le directeur des finances publiques prend le temps d'y aller, d'écouter, de faire la part des choses, de prendre le discernement, d'intégrer son plan dans la durée, de trouver des solutions alternatives, ça coince, mais c'est plus tout à fait la même chose, parce qu'on se sent respecté. La méthode, le discernement. Jean-Marie Bockel, on va regarder maintenant la presse locale de votre région, l'Alsace. C'est avec vous, Alexandre Poussard. Et Alexandre, on va commencer tout de suite avec les dernières nouvelles d'Alsace. Et oui, à la une des dernières nouvelles d'Alsace, on se demande s'il faut interdire les écrans d'ordinateur à l'université, car le problème de l'écran d'ordinateur, eh bien, c'est qu'il distrait les étudiants. Alors quand on lit ce dossier dans les pages intérieures des DNA, eh bien, on apprend que les professeurs d'université mènent actuellement une fronde contre ce qu'ils appellent des armes de distraction massive. Cette formule choc est toute trouvée, car ils en ont marre d'avoir des murs d'écran d'ordinateur qui se dressent face à eux. Et regardez bien, en bas de ce dossier, il y a un chiffre intéressant. Un étudiant passe en moyenne 40 minutes sur 1h20 de cours à se distraire sur son ordinateur, c'est-à-dire 50% du temps. Autre une, Alex, c'est celle du journal L'Alsace. Et oui, le journal L'Alsace, c'est Jean-Marie Bockel, on a lu l'édition de Mulhouse, votre ville, dont vous avez été le maire. Et il y a un très beau portrait du lundi, un portrait de Nawal Benzaouia, une conseillère en accessibilité qui organise des défilés de mode de personnes handicapées, des défilés inclusifs afin de promouvoir une image positive du handicap. Alors, un très beau portrait en page intérieure où l'on apprend que ces défilés ont déjà un succès international puisque Nawal Benzaouia organise notamment des défilés au Sri Lanka. On le voit sur ces photos en bas de l'article, notamment en présence de la première dame du Sri Lanka, Nawal Benzaouia, qui sera également présente aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Eh bien, merci beaucoup Alex pour cette revue de presse alsacienne. Jean-Marie Bockel, une réaction ? J'ai envie de dire, c'est ça aussi Mulhouse. Hein, souvent, c'est une ville qui est montrée du doigt par la diversité de sa population. Il y a des gens formidables. Et on renoue d'une certaine manière, à travers cette success story, avec la grande tradition textile de Mulhouse, qui vient du 18e siècle. Donc voilà, c'est formidable. Un mot pour terminer, question politique, Jean-Marie Bockel, puisque vous êtes membre de l'UDI. L'UDI qui a fait liste séparée aux européennes.
Le Pen et qui maintenant semble se rapprocher d'Emmanuel Macron. Jean-Christophe Lagarde a annoncé son soutien à Benjamin Griveaux à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un parti d'opposition ou un satellite de la majorité ? Je dirais ni l'un ni l'autre. On ne peut pas dire d'un côté qu'on est dans un monde qui est en train de changer et où certains clivages ne sont plus de mise, et refuser surtout en étant centriste de ne pas avoir avec le gouvernement sur un certain nombre de textes une attitude constructive. Moi, j'ai voté la confiance, mais il y a des textes qui arrivent que je ne voterai pas. Lesquels ? Donc nous restons libres et indépendants. Et puis, de l'autre côté, je termine d'abord de répondre à votre question sur les deux aspects, mais c'est aussi la réalité sénatoriale. Nous sommes des partenaires loyaux et, au passage, également utiles, indispensables même, de la majorité sénatoriale autour d'un président du Sénat respecté, Gérard Larcher. Donc, à nous, nous avons d'ailleurs, au sein des centristes, c'est le propre du centrisme, des sensibilités des plus diverses, mais je pense que c'est acceptable. C'est accepté. Je pense que personne ne nous fait le reproche d'avoir cette attitude. En tout cas, moi, on ne me l'a pas encore fait au sein du Sénat. Le fait d'avoir été aux européennes avec un score modeste est aussi une manière de montrer que nous avons des idées. Tout le monde a dit Jean-Christophe Lagarde n'a pas fait un bon score. On le savait déjà dans les sondages. Mais tout ce qu'il a dit était intéressant. S'inscrivait vraiment dans une démarche européenne moderne, avec des idées, avec un discours qu'on pouvait comprendre. Simplement, bon, il était écrasé. Qui, visiblement, n'a pas été compris. Est-ce que c'est l'échec de l'autonomie ? L'autonomie isolée n'a pas d'avenir. Mais l'idéal centriste, en lien d'ailleurs avec un idéal européen et un amour du pays, je pense que beaucoup y puisent. Et je pense que dans le contexte actuel, surtout au Sénat, autour d'Hervé Marseille, nous avons une place et nous avons une vraie utilité à la fois pour un Sénat en phase avec les enjeux du pays et aussi pour la modernisation de la vie politique dans le respect de la cohésion. Allez, rapidement, il nous reste moins d'une minute, la réponse à ma question, sur quel texte vous allez être des opposants ? Ah non, là je parlais à titre personnel, parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais je peux vous dire que sur la question de la PMA, nous aurons un débat au sein du groupe centriste, et nous serons partagés, comme d'ailleurs nous avons été partagés sur la confiance. C'est un exemple d'un texte qui va venir. Merci beaucoup, Jean-Marie Bockel, d'avoir été le premier sénateur invité de Bonjour chez vous. Dans 3 minutes précisément, c'est l'heure de l'invité politique. C'est Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Nous parlerons de la rentrée parlementaire et du calendrier des réformes, un calendrier chargé. Mais avant la rentrée parlementaire, ce sont les partis politiques qui ont fait leur rentrée depuis fin août. Université d'été et autres campus se succèdent. Public Sénat les a suivis et Fabien Ecker vous en résume les meilleurs moments. Aux universités d'été des LR à La Baule, on se console comme on peut. Il y a plus de monde que l'année dernière. En combien il y a de personnes l'année dernière ? Il y a plus de monde cette année quand même. Voilà. Christian Jacob part favori pour prendre la tête du parti en octobre. Difficile cependant de faire oublier les absents. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Mais il y a beaucoup de ténors qui ne sont pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais l'important, c'est que les militants soient là. C'est ça l'objectif. Faites pas cette tête-là. Oh, la vie est belle. Je leur dis pas revenez, ils sont partis. Voilà, donc vous savez, c'est comme un amour. Quand quelqu'un vous quitte, peut-être qu'il reviendra. Et au fond de vous, peut-être vous l'espérez. Enfin, vous lui courez par derrière. Voilà. Mot d'ordre, stopper l'hémorragie et reconquérir l'espace politique entre l'AREM et le RN. Il en va de la survie des Républicains. On ne doit pas faire l'autruche, notre famille politique peut disparaître. Et ça ne sert à rien d'attendre un sauveur ou un événement salvateur. La droite se sauvera par elle-même. Si la droite n'attend pas l'homme providentiel, une personnalité à gauche soigne son retour. Bernard Cazeneuve était l'invité vedette des journées parlementaires du PS à Avignon, où il a déroulé un projet social et écologique tout en jouant la modestie. Je m'exprime peu. Un peu plus aujourd'hui, personne n'a à s'inquiéter. Tout le monde peut rester dans la sérénité. Je vois qu'il y en a qui applaudissent, donc ils sont contents de cette perspective.
adoubé par François Hollande en personne dans la Cité des Papes. Et c'est bien qu'il y ait des talents, il y en a eu dans mon gouvernement, si vous voulez parler de Bernard Cazeneuve, c'en était un, et si je l'ai choisi comme ministre et comme Premier ministre, c'est qu'il y avait des raisons. Bernard Cazeneuve suscite en tout cas certains espoirs à gauche. C'est un homme d'État respecté, qui, j'ai envie de dire, est sorti quasiment indemne, malgré toutes les difficultés qu'il a pu connaître du quinquennat. Il a été préservé, politiquement parlant, et nous avons besoin de lui aujourd'hui. Cette gauche, en mal de leader, tentera de surmonter ses divisions aux élections municipales. Des municipales au cœur de la rentrée politique de La République En Marche. Aux universités d'été de la majorité à Bordeaux, Benjamin Griveaux soignait son arrivée. Avant qu'Édouard Philippe ne réaffirme son soutien au candidat du parti présidentiel à Paris. Il est intelligent, il est déterminé, il est tenace. Et si les investitures sont source de tensions entre La République En Marche et son allié du Modem, certains militants ne font pas de langue de bois. En Marche, on est un parti fort, on va discuter avec nos partenaires historiques, mais il ne faut pas non plus qu'ils espèrent avoir 50% des places sur les listes. Mais en attendant les municipales, la majorité a bien des dossiers à gérer, comme la mise en examen de Richard Ferrand et une rentrée sociale sous tension. Et notre invité politique ce matin, c'est Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être le premier invité de cette émission. Vous êtes le ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec les télés locales, les Indes Radio et la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert. Bonjour, bonjour Pascal. Bonjour Ariane. Vous êtes le rédacteur en chef des journaux du groupe EBRA. Ce sont les journaux de l'Est de la France. Avant de parler du calendrier parlementaire, Marc Fesneau, question d'actualité. Le procès Mélenchon a lieu en fin de semaine, jeudi, vendredi. Il sera jugé pour les actes, les incidents lors de la perquisition au siège de son parti il y a un an. Hier, il a qualifié ce procès de procès politique. Il parle d'exécution. Ce n'est ni du droit ni de la justice, dit-il. Que pensez-vous de ces propos tenus par un parlementaire ? Moi, je regrette qu'on tienne de tels propos vis-à-vis de la justice. Il faut laisser faire la justice son travail. Je pense que le respect des institutions fait qu'on doit à la fois se tenir à la séparation des pouvoirs et se tenir à ne pas commenter les décisions ou les procédures de justice. Jean-Luc Mélenchon a été renvoyé sur la perquisition qui avait eu lieu devant son parti ou à son parti. Moi, je regrette vraiment l'instrumentalisation permanente qu'on fait de la justice. Je pense qu'il faut laisser les magistrats faire leur travail tranquillement. Mélenchon instrumentalise la justice. Je trouve que de dire que c'est un procès politique, il prend le risque d'accréditer la thèse du complot généralisé. Nous sommes dans une grande démocratie. Personne ne peut remettre en cause, on l'a vu ces derniers jours, d'ailleurs, le fait que la justice travaille de manière indépendante. Il ne sait pas lui-même d'ailleurs ce qui sera dit lors de son procès, et personne ne le sait, et on verra ce que diront les uns et les autres. Mais je pense qu'on ne rend pas un bon service à la démocratie quand on commence en permanence, sur ces sujets-là comme sur d'autres d'ailleurs, à introduire le doute. La justice est indépendante dans ce pays, elle fait son travail, et il faut la laisser faire son travail. Pascal Jalabert. Oui, Jean-Luc Mélenchon dénonce en gros une méthode à deux vitesses. Chez moi, on perquisitionne, on fait du spectacle et pas chez les autres. Que répondez-vous à ça ? J'ai l'impression que le spectacle, il était peut-être du côté de Jean-Luc Mélenchon. Les perquisitions, il y en a eu dans tous les partis politiques. Il y a eu des questions qui ont été posées, y compris, et il n'y a pas eu d'incident majeur. Quand il y a une perquisition, vous laissez entrer la police et la police fait son travail. Donc la mise en scène et la théâtralisation, il me semble qu'elle ne vient pas du côté de la police ou de la justice. C'est le choix qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, je le regrette, parce que c'est un responsable politique, c'est un responsable politique éminent, mais il ne rend pas service, non pas à lui, c'est pas le sujet, il ne rend pas service à la justice, il ne rend pas service à la République et à la démocratie en agissant ainsi. Parce que je pense que dans ces cas-là, on introduit un doute, je le répète, qui est une mauvaise manière de fait, me semble-t-il. Allez, on va parler de la rentrée parlementaire. Marc Fesneau, c'est un peu votre rentrée des classes. Du coup, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Double rentrée des classes, que l'Assemblée nationale a commencé. Là, on a la rentrée complète, puisque le Sénat démarre cette semaine. Un état d'esprit à la fois de sérénité et puis d'exigence qui est la nôtre d'avancer sur un certain nombre de textes de réforme. Le Sénat va examiner le texte sur l'économie circulaire, puis après le texte important sur l'engagement des élus locaux. Et puis après, nous rentrerons dans la traditionnelle séquence budgétaire. Et puis à l'Assemblée nationale, le texte autour de la bioéthique, qui est déjà passé en commission et qui va démarrer la semaine prochaine. Et je pense que c'est une rentrée qui est exigeante en termes de réforme et qui nécessite d'autant plus de montrer ce qu'on fait,
d'avoir des débats parlementaires qui soient au niveau et qui soient de qualité. Je crois qu'on ce qu'on a eu par exemple sur la bioéthique. On va parler de toutes ces réformes, mais juste vous organisez ce soir une réception. Hein, oui. Vous recevez les parlementaires de la majorité dans votre ministère. Édouard Philippe sera présent, Emmanuel Macron aussi. Je n'infirme ni ne confirme cette information. En tout cas, le gouvernement sera présent au grand complet devant les parlementaires pour faire en sorte qu'on puisse débattre des sujets dont on vient de parler. Des sujets qu'on a sur la table, c'est un moment toujours important. On a eu un séminaire la semaine dernière et la semaine d'avant gouvernemental, c'est l'occasion aussi d'échanger avec les parlementaires. Mais il y a de grandes chances qu'Emmanuel Macron vienne. On verra ce soir. Oui, alors justement, sur un texte comme la bioéthique, tout à l'heure, Jean-Marie Bockel, sénateur centriste, disait bah, « il se peut que dans notre groupe, il y ait des divisions parce que ça dépasse le cadre politique, il y a aussi un côté personnel ». Est-ce que sur un texte comme ça, le gouvernement donne des consignes ou le groupe majoritaire doit donner des consignes ou pas? On a des questions sensibles, la filiation, la PMA, bien évidemment, la procréation médicale assistée. Comment voyez-vous ce débat? Le président du groupe La République En Marche, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale ont dit une chose assez simple, qui est assez saine, c'est de dire qu'il y avait liberté de vote sur ce texte. Ça permet de répondre à la première partie de votre question. La seule exigence qu'on a, et si on peut dire que ce soit une consigne, c'est de faire en sorte que les débats se nourrissent dans un cadre qui soit respectueux des opinions de chacun. Mais je pense que c'est ce qu'on a vu, c'est la grandeur du débat parlementaire, de voir qu'on peut discuter de sujets qui sont très complexes, beaucoup plus complexes que parfois la simplification à laquelle on assiste. Vous avez parlé de la PMA, il y a la PMA post-mortem, il y a la recherche oui. sur les embryons. Le remboursement de la PMA. Il y a tous ces sujets-là qui sont sur la table, et la filiation, vous l'avez dit. Et donc moi, la seule exigence qui doit être la nôtre, c'est de faire en sorte qu'on prouve, pour l'instant c'est le cas, qu'on peut sur des sujets qui sont très sensibles, qui sont parfois épidermiques, qui renvoient parfois à l'histoire de chacun, qu'on fasse en sorte que le débat soit à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. On est sur des débats d'éthique et de bioéthique. C'est des débats qui engagent la société tout entière. Et moi, je suis assez satisfait de voir la façon dont, en commission, à ce stade, les débats se sont posés. Les gens ont pu se parler, les gens ont pu débattre, les gens ont pu contre-argumenter. Et je pense que c'est cette attitude-là qui renforce, d'une certaine façon, le Parlement. Quand vous avez un Parlement qui est capable de débattre sans être dans la caricature, je crois que vous rendez service à la démocratie et à la démocratie parlementaire. Vous ne craignez pas un débat violent? Pour vous, ce sera un débat apaisé? Je veille, en tout cas, nous veillons à ce que le débat ne soit pas violent, comme vous le dites, à ce qu'il soit respectueux. On peut avoir des opinions différentes. Je pense qu'en démocratie, c'est sain, d'ailleurs. Je ne crois pas du tout qu'on puisse être unanime sur des sujets comme cela, comme sur d'autres, d'ailleurs. Mais qu'on se mette au niveau du débat, et c'est-à-dire qu'on le porte avec la responsabilité qui est celle d'un parlementaire, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Hier, dans le journal Dimanche, François-Xavier Bellamy, en parlant de la PMA pour toutes, disait « ce sera notre malédiction ». Il dénonce les apprentis sorciers de la condition humaine. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que François-Xavier Bellamy en a fait un peu son cheval de bataille, si je peux dire, y compris d'ailleurs aux élections européennes, et il y a eu une réponse des électeurs. Je pense qu'être apprenti sorcier, c'est de, comment dirais-je, d'essayer d'agiter les peurs sur des sujets comme cela. Monsieur Bellamy pense bien ce qu'il veut, mais en tout cas, je trouve qu'il ne rend pas service au débat en disant qu'on agite les peurs. Il me semble que quand on commence à poser les mots comme ceux de malédiction, on emploie les mots plutôt de l'apprenti sorcier que le mot du responsable politique. La question, ce n'est pas la malédiction. La question, c'est de savoir quelle est la société dans laquelle on veut vivre, et c'est bien ça qui est au cœur du débat. Oui, l'autre grand sujet du moment, c'est bien évidemment la réforme des retraites, même si au niveau parlementaire, elle n'arrivera qu'après les municipales, fort probablement. Alors, elle arrivera quand d'ailleurs? Voilà, on a une idée. Le Premier ministre a indiqué que ça sera avant l'été, on verra après dans le calendrier. Avant l'été, mais au Parlement. On verra. On a des tas de textes avant, on en reparlera peut-être tout à l'heure. En tout cas, c'est avant l'été que le processus. C'est la mère de toutes les réformes. Oui, parce que c'est une réforme qui pose à la fois la question de la solidarité, la question de l'universalité des droits. Et finalement, c'est notre rapport au travail qui est posé au travers de ça. Donc c'est une réforme très importante, une réforme souvent reportée. C'est un engagement du président de la République autour de la réforme des retraites à points. Moi, je pense que c'est une réforme qui vise à rendre le système plus juste. Et c'est bien ça qui compte, et à maintenir son universalité. Et le principe d'une retraite par répartition. Et donc je pense que le débat qu'on va avoir maintenant, parce qu'au fond, le processus va commencer maintenant pour ce qui est de la partie d'échange avec les syndicats, d'échange avec les citoyens français. La première partie était portée par Jean-Paul Delevoye, qui désormais est membre du gouvernement, qui était une des réformes de créer les conditions techniques, de regarder les attendus techniques du dossier. Maintenant, il faut regarder secteur par secteur les conséquences de la réforme. Qu'est-ce qui va rester aux parlementaires à la fin? Parce que Jean-Paul Delevoye a vu tous les aspects techniques. Là, on va en reparler. Il va rester l'essentiel, c'est-à-dire un texte de loi qui donnera le cadre de cette réforme et la façon dont on fait converger les systèmes. Ça me paraît plutôt un bon morceau, si vous me passez cette expression, pour les parlementaires. Il va rester ce que sera le cadre législatif
qui permettra de mettre en œuvre cette réforme. Mais est-ce qu'elle n'est pas déjà écrite, cette réforme? Vous l'avez dit, Jean-Paul Delevoye consulte depuis deux ans. Non, je ne crois pas du tout. Alors, il faudra qu'on sache sur quel pied danser, si je peux dire, parce que quand on l'écrit, on nous dit vous avez tout bâclé d'avance, si je peux dire, et organisé d'avance, et quand on commence à en débattre, on dit c'est pas prêt. Ni l'un ni l'autre. On essaie d'avancer, on voit les grands termes généraux de cette réforme, et puis secteur par secteur, il faut qu'on regarde les choses, comment elles peuvent s'organiser, comment on fait converger les systèmes. Donc la réforme n'est pas du tout écrite. Les consultations ont commencé la semaine dernière, elles vont se poursuivre maintenant secteur par secteur. On parlait de la réforme des retraites. La grève à la RATP a été très suivie vendredi. On le disait, un nouveau mouvement aujourd'hui avec les avocats, les médecins, les pilotes de ligne. Est-ce que vous redoutez un automne social? Non, je redoute pas particulièrement un automne social. Je regrette simplement, mais c'est peut-être un peu un mal français, que dans ce pays, quand on pose simplement les principes d'une réforme ou l'idée d'une réforme, on commence par se mettre en grève. On essaye d'inventer le concept de grève préventive, c'est-à-dire avant de savoir, c'est-à-dire la grève même sur le principe de la réforme. Or, il y a besoin d'une réforme. Il y a besoin d'une réforme du système de retraite qui n'est pas égalitaire. Et quand vous croisez les gens, j'étais dans mon village ce week-end, ils comprennent bien que le système est assez inégalitaire. C'est pas une question de pointer les uns ou les autres, c'est une question de justice pour un certain nombre de gens. Mais avant d'aller dans un mouvement de grève, je trouve que ça serait bien de se mettre autour d'une table pour regarder ce en quoi on est d'accord, ce en quoi on est en désaccord et ce vers quoi on peut converger. Parce que si la grève, c'est le préalable à la discussion, je trouve qu'on ne rend pas non plus un grand service à la démocratie. La grève, c'est, pour moi, un droit imprescriptible, un droit naturel, d'une certaine façon, mais c'est plutôt le processus qui amène quand il y a un échec de la discussion, quand on n'est pas assez entendu. Mais là, on ouvre les portes pour pouvoir faire en sorte que les régimes spéciaux seront supprimés. Oui, mais ils vont converger. Enfin, c'est pas quelque chose d'abrupt, c'est dans la durée. Il faut regarder quelles sont les conséquences pour les uns et les autres. Les régimes spéciaux, ils avaient, pour la plupart d'entre eux, et pour pas dire tous, des fondements au démarrage, pourquoi il y avait des régimes spéciaux de telle ou telle nature, et il faut le faire, je le répète, sans pointer du doigt les uns les autres. La question n'est pas de dire il y a des privilégiés ou il n'y a pas de privilégiés, la question c'est de faire un système qui soit plus juste. Un système plus juste, un système égalitaire, ça veut dire des gagnants et des perdants. Est-ce que vous assumez de dire qu'il y aura des perdants avec cette Mais on verra, l'idée c'est de faire en sorte que collectivement, on ait une réforme qui soit plus juste. Après, ça fait converger des systèmes. On verra. On voit bien qu'aujourd'hui, ils sont posés les termes et qu'on nous dit ici, il y a des gagnants, ici, il y a des perdants. Mais il faut regarder dans la durée comment les choses vont se passer. Faut-il mettre les compteurs à zéro en 2025 ou alors est-ce que là aussi, comme pour la réforme, on peut étaler ça sur plus longtemps? Vous voyez bien que c'est une réforme de système. L'idée des compteurs à zéro, c'est plutôt des compteurs à zéro budgétaires. Mais en tout cas, l'idée que nous avons, c'est de faire en sorte qu'on prenne le temps qu'il faut dans la discussion, mais aussi on prenne le temps qu'il faut dans l'application de la réforme pour que, évidemment, quelqu'un qui vient, qui a 55 ans aujourd'hui, on ne lui dise pas ton régime, alors que tu es déjà à 30 ou 40 ans de cotisation, ton régime disparaît brutalement. Donc s'il faut prendre le temps, on prendra le temps. Quand on a des réformes de système y de compris cette nature-là, sur le déficit. Non, je pense qu'il y a besoin d'être à l'équilibre, parce qu'il faut que le nouveau système ne soit pas, comment dirais-je, alourdi du déficit du précédent. Mais ça aussi, on en discutera. Allez, autre texte, c'est la réforme des institutions. L'exécutif cherche un accord avec le Sénat. Écoutez ce que disait Gérard Larcher lors de sa conférence de presse de rentrée, c'était le 4 septembre dernier. La réforme des institutions revient dans l'actualité au début de cette saison 2. Le Sénat, je le répète, vous me l'avez entendu déjà dire 1000 fois, est disponible. Qui peut croire que la réforme échouerait sur la réduction du nombre de parlementaires que la majorité sénatoriale soutient, mais qu'elle conditionne à une juste représentation des territoires? On échouerait pour une différence de 20 sénateurs. Voyons. Vous entendez, Gérard Larcher, oui, Marc Fesneau, est-ce que le gouvernement ne surjoue pas le blocage avec le Sénat? Non, je crois que c'est bien qu'on ait posé les termes du débat. Je rappelle que nous étions sur une version qui avait posé des interrogations au Sénat qu'on a fait évoluer, puisque le texte qui a été présenté au Conseil des ministres n'est pas le texte qui avait été initialement prévu en 2018. Donc le gouvernement et la majorité a fait sa part du chemin, en tout cas une grande part du chemin. Ce qu'il faut qu'on regarde maintenant, c'est les voies de convergence pour essayer d'aboutir à un texte. Alors il y aura un débat parlementaire, et c'est bien normal qu'il y ait un débat parlementaire. Tout ne se discute pas préalablement. Mais il y a besoin de savoir sur l'ensemble des termes comment les choses peuvent se faire. C'est bien de préciser, parce qu'on a l'impression que l'exécutif cherche un accord préalable, en quelque sorte, avec le Sénat, avant tout débat. On peut avoir un accord préalable sur les grands principes des textes. Je pense que c'est un petit peu plus complexe que simplement 20 parlementaires d'écart, parce qu'après, il y a la question de la représentation à l'intérieur du volume. Justement, on en parlait. Et donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut regarder et discuter. Les débats constitutionnels sont souvent des débats assez longs.
On a un calendrier parlementaire qui est assez serré, comme vous l'avez dit, avec un certain nombre de textes qui sont devant nous. Évidemment, il faut qu'il y ait un débat parlementaire, mais il faut qu'il y ait un débat parlementaire avec de bonnes chances d'aboutir. Parce que sinon, d'une certaine façon, les Français ne comprendraient pas qu'on consacre beaucoup de temps sur un débat donc parlementaire qui n'aboutirait pas. Vous ne lancerez le débat parlementaire que si l'accord avec le Sénat c'est est trouvé. En tout cas, que les principes qu'on voit, qu'il y a un principe, mais il faut laisser la place au débat parlementaire. Je suis ministre des Relations avec le Parlement, je ne vais pas vous dire que le débat il se clôt au moment où le texte est présenté sur le bureau des deux assemblées. Mais en tout cas, il faut regarder sur les grands principes si on peut être d'accord. On n'est pas... Je partage le sentiment du président Larcher. On n'est finalement pas si loin, mais il faut qu'on regarde pratiquement comment les choses se mettent en ordre, notamment sur la réduction du nombre de parlementaires. Alors, à propos de principe, le président Larcher défend un principe d'élection des députés fondé sur la démographie, c'est-à-dire un député pour tant d'habitants. En revanche, pour le Sénat, il dit qu'il faut sortir de ce critère et fonder sur la représentation des territoires pour qu'on ne se retrouve pas, je schématise, avec 25 ou 30 départements, un sénateur. Est-ce que vous approuvez ce principe ? Non, mais sur les principes, on peut être d'accord. Je signale déjà au passage que... C'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Le fait qu'on représente les territoires, honnêtement, ni moi ni personne n'a rien inventé, puisqu'aujourd'hui, les territoires ruraux, en pondération de population, ils sont plus représentés au Sénat et à l'Assemblée nationale que leur poids démographique réel. Il y a un député en Lozère... pour 72 000 habitants, et les circonscriptions globalement en France sont plus importantes. Mais avec que ça. Une participation qui dépasse certaines circonscriptions de Seine-Saint-Denis à plus de 120 000 habitants. Oui, on est d'accord. Donc il y a déjà un écart de population, c'est bien ce que je vous dis. Oui, donc, pas en termes d'électeurs. Ce critère de répartition territoriale qui ferait que les territoires ruraux soient représentés, évidemment, on est d'accord. Après, la question, c'est à quel seuil on le met. Voilà. C'est pour ça que ça paraît simple d'une certaine façon, mais qu'après, quand on dit si on veut le moins possible de départements mono-sénateurs ou mono-députés, quand on regarde pratiquement, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est donc le travail que nous aurons à faire. Mais l'idée que les territoires ruraux soient représentés pas simplement sur le critère démographique, c'est déjà le cas. Et donc, on ne dérogera pas à cette règle-là. Simplement, il y a aussi des principes constitutionnels pour faire en sorte que les écarts soient les moins importants possibles. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faudra essayer de trouver. Le premier texte examiné par les sénateurs, ce sera le texte sur le statut de l'élu. Texte de Sébastien... Sur l'économie circulaire, le premier texte. Oui, pour la session ordinaire, je précise. Pour la session ordinaire, vous avez raison. On a raison tous les deux. Pas très clair pour tout le monde. Non, à partir du mois d'octobre, ce sera le texte sur le statut de l'élu. Pour répondre au malaise des maires, est-ce qu'un tel texte à 6 mois des municipales, il n'y a pas un peu de politique derrière tout ça? Excusez-moi de vous dire qu'il était annoncé dès qu'on a... au fond, engager le grand débat national, parce qu'on a aperçu le président de la République, le gouvernement, la majorité, un certain nombre d'écueils qu'il y avait au travers des différents textes qui avaient été votés en relatif aux collectivités locales, et la demande d'un certain nombre d'élus de simplification et de responsabilités nouvelles qui pourraient leur être confiées pour mieux exercer leur mandat. C'est pas mal qu'avant les municipales, on ait ce texte, parce que ça permettra aux nouveaux élus d'être dans un cadre rénové, dans un cadre qu'ils connaissent. Si on avait fait ce texte au mois de juillet 2020, on nous aurait dit, vous élisez des élus locaux et après vous leur donnez les règles. Je trouve que c'est plutôt sain. Je crois que d'ailleurs que l'Assemblée nationale et le Sénat sont assez d'accord sur les principes généraux de ce texte. Après, on va laisser là aussi faire le débat parlementaire, mais je pense que c'est sain que la nouvelle mandature qui va s'ouvrir à partir de 2020 et un cadre assez renouvelé sur un certain nombre de sujets. C'était des écueils qu'on avait depuis longtemps, depuis la loi NOTRe, la loi MAPTAM, enfin sans prendre tous les acronymes des lois qui sont venues plutôt complexifier, à vrai dire, le travail des élus. Moi, j'ai été maire et président de communauté de communes et j'ai vu à quel point, au fur et à mesure, plutôt de bonne foi et plutôt de bonne volonté, on a fini par complexifier le système. Et donc c'est ça qui est important. Puis un deuxième sujet qui est de favoriser l'engagement des élus. Oui, puisqu'on parle des municipales, donc vous êtes élu et membre du MoDem. Avec La République En Marche, il y a quand même des points de friction sur cette élection. On pense à Bordeaux et sans doute à d'autres villes. Comment ça se passe et comment ça va se terminer tout ça? Et à Paris, qui allez-vous soutenir? Alors, sur Paris, on a notre propre séquence, donc on prendra nos décisions sur Paris, comme sur d'autres villes d'ailleurs, dans le courant du mois d'octobre. Donc à ce moment-là, vous me réinviterez, on en reparlera. Mais je ne vais pas préjuger de la décision de mon mouvement. La deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est normal dans un processus municipal. Il y a 1000 villes de plus de 10 000 habitants, et donc 35 000 quasiment de moins de 10 000. Sur chacune de ces villes-là, il peut y avoir des candidatures, et il n'est pas illégitime qu'on ait envie d'être candidat. Il peut y avoir des convergences, puis il peut y avoir des divergences sur les choix ou d'alliance ou les choix de tête de liste. On est dans la phase où, évidemment, émergent les sujets et les difficultés, mais évidemment...
le travail que nous faisons les uns les autres, au MoDem et En Marche, est un travail pour essayer de faire converger les points de vue. Je pense que le moment municipal est un moment où on doit plutôt essayer de rassembler que de diviser. Et donc c'est ça, et c'est pas tant seulement une question de dialogue entre La République En Marche et le MoDem, parce qu'on peut pas à la fois dire il faut sortir du champ partisan et qu'on résume le débat à un débat entre La République En Marche et le MoDem. La question, c'est de trouver les meilleures équipes et de soutenir ceux qui sont soit en place, soit qui veulent être maires, qui nous paraissent être les meilleurs profils. Vous allez faire au cas par cas ou il y aura une configuration nationale? La règle générale, c'est d'essayer de tomber d'accord, et après tout ça peut souffrir des exceptions et qu'au cas par cas, il puisse y avoir des points qui soit de différence entre les uns et les autres. Je répète, 1000 villes de plus de 10 000 habitants, c'est quand même pas anormal que dans un certain nombre d'entre elles, on puisse avoir des désaccords. L'important, c'est que nous donnions l'image collectivement d'une volonté de rassemblement et de rassemblement sur les bases de 2017, au fond. Le président de la République a été élu sur la base d'un dépassement du clivage droite-gauche et de dire on essaie de prendre les meilleurs, qu'ils viennent de la droite, de la gauche ou du centre. Et c'est la même chose qu'il faut faire au municipal. Je vous assure, quand vous êtes maire et quand vous constituez votre équipe municipale, votre principale préoccupation, c'est d'abord de trouver des compétences, des gens qui veulent s'engager et de partager un projet. Après, les étiquettes s'effacent un peu. Sur les municipales, Marine Le Pen a fait sa rentrée politique ce week-end en parlant, et bien sûr, longuement des municipales. Elle a aussi parlé de la fracture territoriale, de la France des oubliés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est elle qui capte le mieux la colère des Français? Oui, enfin, je vois qu'elle découvre les questions de fracture territoriale, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on entend Madame Le Pen, et elle n'était assez peu sur ces sujets. Alors, on est sur une séquence municipale, elle est sur la fracture territoriale. Qu'est-ce que c'est pour vous? Une opportunité politique? Oui, ou elle a tiré elle aussi pour elle, les leçons de la crise? Alors peut-être qu'elle a tiré les leçons, mais il était temps d'une certaine façon. Moi, je sais bien ce que c'est que la fracture territoriale. Je vis dans une commune de 700 habitants, donc je sais à peu près de quoi je parle. Je ne dénie pas aux autres le droit d'en parler aussi, d'ailleurs. On a un travail de reconstruction. Non, en tout cas, je vois qu'elle découvre ce week-end la question de la fracture territoriale. La fracture territoriale, elle est réelle. Elle est le produit de 20 ou 30 années de désindustrialisation, de disparition des services publics, de désappropriation finalement des sujets locaux par les élus locaux. Et donc c'est un lent travail de réappropriation qu'il faut faire. Et moi je pense que nous avons une exigence, nous, collectivement, élus de la République, qui est de faire en sorte que plus aucun territoire ne se sente, à côté du chemin. Moi je l'avais dit, je me souviens quand j'étais président de groupe au Congrès, j'avais dit on n'imagine pas le dégât que fait la disparition de tel ou tel service public, la disparition de telle ou telle industrie dans des territoires que vous connaissez, où on a vu disparaître des pans entiers de ce qu'était l'histoire économique, des gens qui se sentent délaissés et abandonnés depuis des années. Alors nous ne portons pas toute la responsabilité, c'est une responsabilité collective. Notre responsabilité au gouvernement, c'est de faire en sorte de résoudre ces questions de fracture territoriale. C'est la question que nous essayons de lever au travers de la loi que va présenter Sébastien Lecornu. C'est les questions qu'on va essayer de lever avec Jacqueline Gourault autour de la décentralisation, les questions qu'on a autour des maisons France Service. Mais c'est un processus lent de réappropriation du territoire. On a besoin à la fois d'un État qui soit stratège et qui refasse de la politique d'aménagement du territoire et qui le fasse avec les collectivités locales. C'est ça la nouveauté. Alors on va continuer à parler des élus locaux puisque dans cette interview, nous avons souhaité donner la parole à vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Vous pouvez vous aussi poser vos questions à notre invité. Regardez, c'est votre question. Et c'est une question de Sébastien Populaire. Marc Fesneau, peut-on avoir plus de précisions sur la compensation de la taxe d'habitation pour les communes, base, calendrier, etc. Bon, l'idée est assez simple. En tout cas, il y a des discussions et ça sera présenté au moment du budget. L'idée, c'est de remplacer la taxe d'habitation par les taxes foncières qui étaient principalement, en tout cas aujourd'hui, perçues par les départements. Et pour ce qui est des départements, de compenser par une partie, une fraction de TVA. Et puis après, il y a les droits de mutation qui restent au département. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faudra trouver. L'idée, c'est à la fois de sortir de la taxe d'habitation, parce que ça nous paraissait un impôt injuste. Deux, de trouver quand même des impôts locaux, parce que c'est bien qu'il y ait des impôts locaux, parce que ça permet, quand on a été maire, c'est rare qu'on n'ait pas croisé quelqu'un dans sa commune qui dise « à quoi servent mes impôts ?». Et donc, il y a besoin d'un sens. Le lien entre l'impôt local, l'élu local et la collectivité, il est important. Et le citoyen, il est important. Et donc, ça permet de maintenir cette question de l'élu local. Et deux, il faut que, comme on est dans un phénomène de vase communicant, de donner les moyens aussi aux départements de pouvoir exercer leur action. Donc, c'est un mécanisme de compensation par la taxe foncière et des mécanismes de compensation complémentaires pour les départements. C'est en cours de discussion. Et je pense qu'on va trouver un terrain d'entente qui sera, juste pour tout le monde et qui permette de maintenir ce lien
et en même temps de répondre à l'exigence qui était la nôtre de supprimer la taxe d'habitation. Voilà pour cette réponse à Sébastien qui vous a posé cette question via Twitter. Avant de vous quitter, Marc Fesneau, on a appris ce matin qu'Emmanuel Macron se dotait d'une application pour surveiller le travail de ses ministres. Est-ce que vous vous sentez sous surveillance ? Moi, je n'ai pas connaissance de cette application. En revanche, que nous ayons des tableaux de bord, ben, c'est peut-être ça ce qu'on appelle une application. Enfin, je ne veux pas citer le nom d'une marque. Si une application, c'est simplement un tableau de bord dans lequel on dit où on en est tel ou tel dossier, et que le président de la République a une exigence particulière, comme le Premier ministre, de on a dit qu'on mettait en œuvre telle et telle mesure, quels sont les effets, quels sont les écueils, et en quoi ça marche et en quoi ça ne marche pas, excusez-moi, si on ne peut même plus évaluer dans ce pays sans qu'on dise que c'est une critique et une contrainte, quand on est ministre, c'est bien normal d'être évalué sur les mesures qu'on annonce et leur application. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une application en tant que telle. Là, on essaie de comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la coercition avec les ministres. Je ne crois pas que ce soit le rapport que le président de la République entretienne avec ses ministres et avec sa majorité. Eh bien, merci beaucoup, Marc Fesneau, d'avoir été le premier invité politique de Bonjour chez vous. Merci d'être venu. Merci, Pascal Chalabert. Demain, Marc Fesneau, à votre place, ce sera Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. N'hésitez pas, vous aussi, à lui poser vos questions sur l'adresse bonjourchezvous@publicsenat.fr ou sur les réseaux sociaux. Et c'est maintenant l'heure du Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des Agents des Services Publics Locaux et en partenariat avec la Presse Quotidienne Régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Le Club des Territoires, en partenariat avec la Presse Quotidienne Régionale, les télévisions locales de France et les Indes Radio. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons des élus locaux, du malaise des maires et de la rentrée politique du Rassemblement National, objectif municipal pour Marine Le Pen. Avant de vous entendre, messieurs, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre, parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Cette semaine, nous sommes dans la Creuse pour parler des conséquences de la sécheresse. Regardez ce qui vous attend avec Samia Deschir. Cette semaine, on a choisi de s'intéresser à la sécheresse parce que c'est un phénomène qui touche presque toute la France. La quasi-totalité des départements est placée en vigilance avec des mesures de restriction d'eau. Et parmi les plus impactés, il y a la Creuse et c'est là qu'on va aller cette semaine parce que c'est un département qui vit une véritable crise de l'eau. C'est le troisième été consécutif de sécheresse, mais cette année, c'est du jamais vu par endroits. Les cours d'eau n'ont jamais été aussi bas. Et ça, ça a des conséquences pour tout le monde. Pour l'approvisionnement en eau potable des particuliers, par exemple, on ira voir ça à Guéret, c'est la préfecture de la Creuse, là où les réserves pourraient bientôt manquer. Et puis comme les sols sont très secs, les incendies sont aussi plus nombreux. On ira voir ça en suivant le travail des pompiers qui appellent à la vigilance de tout le monde. Et enfin, ceux qui souffrent peut-être le plus de cette situation de sécheresse, ce sont les agriculteurs. On ira dans le sud du département voir comment certains d'entre eux essaient d'adapter leur culture à cette sécheresse. Voilà pour le programme, le reportage, ce sera tous les jours à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. On va commencer le Club des Territoires avec un sujet, la décentralisation, les élus locaux. Depuis des mois, des associations d'élus alertent le gouvernement, ils réclament un choc de décentralisation et c'est pour parler de cette question que Gérard Larcher s'est rendu la semaine dernière à Bourges à la rencontre des élus locaux. Jérôme Rabier l'a suivi. Quoi de mieux que de montrer l'exemple quand on veut parler décentralisation? C'est ce qu'a fait Gérard Larcher en organisant une réunion de la Questure du Sénat dans le Cher, avant de débattre avec les élus du département des futures échéances en matière de collectivité. Je suis élu depuis 18 ans. Avant, on avait un peu confiance, on avait des échanges avec toutes les strates. Maintenant, l'échange, c'est devenu une note passante. Voilà. Donc j'espère qu'à nouveau, on pourra tous discuter ensemble. Et avec deux textes dédiés aux collectivités au programme cette année, le président du Sénat espère un véritable changement de la part du gouvernement. On retrouve les voies d'un dialogue et d'une confiance et non pas ce que nous avons connu en 2018 que j'ai qualifié d'année horribilis. Pour les élus comme pour les sénateurs, le département doit avoir toute sa place dans la future organisation. Parce que c'est beaucoup mieux géré en proximité avec les départements qui, à mon avis, ont un rôle à jouer de proximité. D'autant plus que les régions se sont agrandies. Si on doit nous limiter à un bureau d'action sociale, c'est sûr qu'on risque de mal le vivre. Il faut qu'il y ait une réflexion en profondeur.
sur notre rôle dans la proximité. Après cet échange au conseil départemental, c'est devant les maires du Cher que la journée s'est prolongée. Et après un été marqué par le drame de Signes, pas d'abattement mais des attentes. Faites-nous confiance, c'est le leitmotiv qui anime nos élus. Faites confiance à notre bon sens. Les élus espèrent que le projet de loi engagement et proximité discuté début octobre au Sénat répondra à leurs attentes. Où on parle de la revalorisation des indemnités, mais pas seulement. On parle aussi de formation. Et dans le cadre du statut de l'élu, comment on peut aujourd'hui faire en sorte que des gens qui sont salariés dans le secteur privé soient élus locaux. Cette journée d'échange va maintenant nourrir la réflexion parlementaire en vue de ce texte phare très attendu par les élus, en attendant sans doute au printemps prochain un grand texte remettant à plat les compétences des collectivités. Arnaud Benedetti, on va commencer avec vous. Vous êtes le directeur de la revue politique et parlementaire. Est-ce que finalement c'est Gérard Larcher, le vrai ministre des relations avec les collectivités territoriales ? En tout cas, il entend prendre le leadership sur cette question dans un contexte où on voit bien que la loi, le projet de révision constitutionnelle donne au Sénat un rôle tout à fait essentiel. Moi, ce que je crois, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, la question de la décentralisation, vous savez, du temps de François Mitterrand, on disait que la décentralisation, c'était la grande affaire du septennat. Le problème qui se pose, je pense, pour Emmanuel Macron, c'est que fondamentalement, d'abord, ce n'est pas un élu local, il n'a jamais été élu local, donc sa connaissance, j'allais dire, du terrain et des préoccupations des élus locaux est quand même assez distendue. Et sur le fond, c'est qu'il s'est présenté durant la campagne présidentielle comme plutôt un homme assez favorable au pacte girondin, et sa pratique, en tout cas sa pratique du pouvoir depuis qu'il est à l'Élysée, depuis 2 ans, montre que finalement il se révèle bien plus jacobin que girondin. Et donc il y a un malentendu qui s'est installé entre une partie des élus locaux et l'exécutif, ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, on a le sentiment d'être dans une situation parfois un peu tendue. Guillaume Doyen, Arnaud Benedetti parle d'un malentendu. Est-ce qu'on est encore dans un malentendu ou est-ce qu'il y a un tournant finalement entre les élus locaux et l'exécutif ? Non, il aura lieu le tournant. Le vrai tournant, ce sera les municipales. Pour l'instant, on est toujours dans un Macron qui n'est pas aimé, qui a multiplié les maladresses et dont le Tour de France des maires a peut-être produit quelques effets, mais ça n'a pas suffi à dissiper toutes les difficultés. On va avoir des municipales, on va voir si La République En Marche va réussir à s'implanter en quelques endroits ou si elle va se ramasser totalement, mais c'est là qu'ils pourront quand même voir de quelle façon ils ont progressé et ce qu'ils ont intérêt à faire. Mais là, ça va être un vrai test pour Macron. Samuel Ribault, les municipales, ce sont le test ? Les municipales, il l'a dit lors de son discours de rentrée, il l'a bien précisé. Et puis, il a 2 casquettes, Gérard Larcher, il est très habile, donc il a celle de président du Sénat. Et puis, aujourd'hui, il a celle de seul coin qui est capable de tenir la bibliothèque de droite, puisqu'elle s'effondre de toutes parts. Il n'y a aucun leader qui se dégage et que par défaut, et c'est pas une offense que de dire ça, par défaut, tout le monde remet un petit peu les espoirs des mois à venir sur les épaules de Gérard Larcher en se disant qu'il est capable de conduire ce qui reste de l'ex-majorité de droite. Et je crois qu'il a parfaitement compris cet enjeu et que en plus, il a saisi effectivement qu'il y avait probablement une dernière opportunité pour sa famille politique lors des élections municipales à venir. Quel signe, puisqu'on parlait des élus locaux de décentralisation, quel signe l'exécutif peut donner en matière de décentralisation ? On le disait, c'est une demande forte des élus, Guillaume Doyen. Oui, ça arrive avec une succession de réformes qu'ils n'ont pas comprises et toujours pas acceptées. C'est celle de l'ère Hollande, si vous voulez. Là, ça a été dur. Ils sont encore en train de digérer des fusions qui sont super compliquées. En réalité, ça a été allé à toute allure. Ça a pompé l'énergie, même de leur cadre, à un point qui est absurde, en fait, sans apporter vraiment d'amélioration singulière, nette. Quoi. Est-ce qu'on aura un meilleur service public ? Est-ce qu'on aura un meilleur prix, etc. ? Non, on s'est beaucoup emmerdé à faire ça. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est plutôt qu'on redétricote un peu. Quoi. Donc ce que la République a présenté comme un choc de simplification, ça n'a pas marché. Et maintenant, merci de nous redonner du lait, c'est-à-dire de nous redonner du pouvoir. Le problème, c'est qu'ils sont en fait l'héritier de l'historique d'un dispositif qui est très compliqué. Si vous voulez, il ne peut y avoir de décentralisation que si l'on s'attaque à ce que l'on appelle le millefeuille administratif. Et force est de constater quand même que depuis des années, on ne s'est pas attaqué au millefeuille administratif, d'où les batailles de compétences qui existent et les questions de compétences. La France est un pays qui s'est construit principalement sur le plan à la fois politique et administratif, à partir de la brique qui était la brique départementale. Sauf qu'aujourd'hui, la brique départementale, autant elle était efficiente sous la Révolution, vous savez très bien qu'on a construit les départements pour qu'un préfet puisse faire à cheval dans le même jour l'ensemble de son territoire, le parcours de l'ensemble de ses territoires. On voit bien que, bien évidemment, cette notion aujourd'hui est largement obsolète. La question est finalement,
quelle compétence pour quelle institution on doit poser. Et finalement, aujourd'hui, la vraie difficulté pour l'exécutif, c'est d'arriver, avant de se lancer dans un processus de décentralisation efficace, c'est d'arriver justement à essayer d'écriter ce millefeuille administratif. Sauf qu'écriter le millefeuille administratif, ça veut dire s'attaquer à un certain nombre, de privilèges parfois électoraux qui rendent plus difficile l'exercice. Très rapidement, allez. Et puis l'enjeu de ce nouvel acte de décentralisation pour Emmanuel Macron, c'est d'abord de régler la question financière, avec cette suppression de la taxe d'habitation pour les communes qui n'est toujours pas réglée. Ce qui est proposé, c'est finalement de donner la taxe foncière aux communes et de remplacer cette taxe foncière qui allait normalement au département et de donner au département une fraction de TVA, donc d'affaiblir les départements en finalement leur donnant un impôt et en enlevant leur autonomie fiscale. Donc finalement, en enlevant l'autonomie fiscale des départements, ce n'est pas leur donner de nouvelles compétences et ce n'est pas vraiment de la décentralisation. Allez, on va passer à un autre sujet, messieurs, on en parlait, ce sont les municipales. C'est l'objectif de Marine Le Pen. Elle a fait sa rentrée ce week-end à Fréjus, ville conquise par le Rassemblement national en 2014. Regardez ce reportage de Marie Brémaud et Louise Grégoire. Pendant que certains prolongent les vacances et profitent de l'été indien, d'autres font donc leur rentrée. Autour de Marine Le Pen, c'est à huis clos que les élus et les cadres du Rassemblement national définissent la stratégie pour les mois à venir. Vous faites des groupes de 6 pour ce soir pour les bungalows. Juste à côté, les jeunes de Génération Nation se retrouvent autour de celui que le parti érige en modèle. L'eurodéputé Jordan Bardella est ici incontestablement la star. Je suis un peu un fan de Jordan Bardella, je l'ai suivi dès le départ, c'est lui qui est la base de mon engagement. Cette rentrée sur le papier s'annonce pleine de promesses au vu du bon score enregistré par le RN aux élections européennes. Il faut qu'on soit capable de capitaliser sur cette victoire. On est arrivé en tête dans 2/3 des départements, donc le cycle d'élections locales qui va s'ouvrir jusqu'à 2022, jusqu'à la mère de toutes les élections, qui est l'élection présidentielle, va évidemment être essentielle. Mais d'abord, cap sur les municipales de mars 2020. Et cela n'a rien d'anodin si le rendez-vous de la rentrée se passe à Fréjus, municipalité remportée par David Rachline en 2014. Le maire RN espère susciter des vocations, car dans ce scrutin local, la difficulté, c'est aussi de trouver des candidats. En tout cas, on essaye de faire en sorte que nos jeunes s'impliquent au maximum, car nous croyons déterminant qu'ils puissent s'investir dans les campagnes municipales. J'ai eu l'occasion de démontrer qu'on pouvait être maire jeune. J'espère que dans cette salle, il y a de futurs maires. C'est important pour notre mouvement, oui, bien sûr, et pour les territoires, parce qu'il y a beaucoup de rénovations à faire dans nos territoires, en effet. Personne ne veut afficher d'objectifs chiffrés pour les municipales, qui reste un scrutin compliqué pour le RN. Mais tout le monde ici espère mieux faire que les 14 mairies conquises il y a 6 ans. Alors, même s'ils ne veulent pas afficher d'objectifs chiffrés, en tout cas face à la caméra, le RN tape sur une centaine de villes conquises. Est-ce que c'est un objectif qui vous semble réaliste, Arnaud Benedetti ? Écoutez, ça me paraît assez difficile. La chance du RN dans cette affaire, c'est la balkanisation du paysage politique, qui est non seulement une balkanisation nationale, mais aussi locale. C'est-à-dire qu'en fait, les candidats du Rassemblement national, ou qui seraient soutenus par le Rassemblement national, ont une chance de l'emporter s'il y a une multiplication des triangulaires, voire des quadrangulaires. Donc ils peuvent se faufiler dans un trou de souris et finalement porter sur le pavois leur liste et leur candidat. Alors on sait qu'il y a quelques objectifs très importants en termes de ville, qui sont posées par le Rassemblement national, de grandes villes de plus de 100 000 habitants, je pense à Perpignan notamment, où Louis Alliot est candidat et qui constitue un objectif phare et fort pour le Rassemblement national. Mais il est clair aussi, c'est que le Rassemblement national a manifestement réussi dans la perception, en tout cas de son électorat, réussi le premier mandat qui a été porté durant ces 6 dernières années dans les municipalités où ils étaient présents. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres époques où ils ont eu déjà des élus, où ils avaient eu une gestion beaucoup plus idéologique, ils ont essayé d'effectuer une gestion de plus grande proximité. En d'autres termes, ils se sont peut-être un peu plus professionnalisés dans leur rôle d'élus locaux, ce qui leur donne aussi, quelque part, un avantage et un élan pour cette élection municipale. Mais ça reste quand même encore très difficile, parce que le problème principal pour le Rassemblement national, c'est qu'il faut, dans un second tour, à un moment donné, nouer des alliances. Et pour le moment, les alliances se font rares. Guillaume Doyen, ça sera un scrutin difficile. Je pense que
Vu de loin, ça va paraître difficile, qu'ils en ont conquis 14, ils en auront peut-être 28, 30, je ne sais pas, certainement pas 100. Mais en tout cas, dans les villages, dans les bourgades, ils vont réussir à rentrer. On n'en parlera pas. Ces bourgades envoient quand même des représentants dans les métropoles. Et c'est là que le Rassemblement national, va avoir du poids. Ce qu'on ne verra pas immédiatement, si vous voulez. Ce n'est pas spectaculaire, la prise de Perpignan le serait, si vous voulez. Mais d'autres choses qui le font rentrer comme ça dans le paysage politique durablement, qui l'ancrent vraiment, là, ça va bien se passé en 2020, des villes dont vous, des petites villes dont vous n'entendrez sans doute jamais parler, vont tout à coup envoyer des représentants RN dans les métropoles comme conseillers métropolitains. Et là, ça va commencer à nouer des alliances. Et là, ça peut recomposer le territoire politique donc localement. Marine Le Pen va réussir à tisser son tissu local. Elle va améliorer son tissu local. Elle va le tisser, c'est sûr et certain. Alors évidemment, elle va chercher des belles prises. Ça va être compliqué pour elle, les belles prises. Au-delà de 100 000 habitants, c'est très compliqué pour eux. Les plus petites, plus discrètement, ça va bien marcher, je pense. Samuel Ribot, on a entendu hier dans le discours de Marine Le Pen, elle s'est beaucoup adressée à cette France des oubliés, à cette France des gilets jaunes. Est-ce que finalement, c'est elle qui capte cette colère? Ce qui est certain, c'est que de tous ceux qui ont essayé de la capter, c'est elle qui a manœuvré le plus intelligemment, puisque finalement, sans revêtir un gilet jaune pour l'enlever immédiatement comme Laurent Wauquiez, sans essayer de jouer à la proximité comme Jean-Luc Mélenchon, et tout en laissant venir à elle cette colère, elle a effectivement réussi à la canaliser. Ça s'est vérifié avec le résultat des élections européennes. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que finalement, les deux partis qui aujourd'hui occupent le devant de la scène et dont on imagine qu'ils vont s'affronter pour la présidentielle d'ici 3 ans, ont le même enjeu devant eux à l'occasion des municipales, c'est-à-dire qu'il reste des partis qui sont assez mal structurés, assez peu représentés. Et en fait, ce qui commence à se jouer au moment des municipales en mars, c'est effectivement la présidentielle de dans 3 ans. Et voilà, c'est le rythme de la vie politique française. Allez, on va passer à votre revue de presse. Alexandre Poussard, c'est à vous. Revue de la presse quotidienne régionale, Alex, et on commence par Ouest France. Et oui, à la une du journal Ouest France, il est question d'un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre, la réforme des retraites, alors que le gouvernement veut faire tomber les 42 régimes spéciaux de retraite qui existent actuellement en France, et alors qu'après la grève des salariés de la RATP et la régie des transports parisiens vendredi dernier, c'est au tour des pilotes de ligne, des avocats, des médecins et des infirmiers de descendre dans la rue. Et on va passer maintenant au Républicain Lorrain, Alex, le Républicain Lorrain qui se penche sur les violences faites aux femmes. Et oui, le Républicain Lorrain qui a recueilli toute une série de témoignages de femmes qui sont victimes des violences de leur mari. Et dans cet article, il y a un chiffre inquiétant. En Lorraine, depuis le mois de janvier 2019, il y a déjà eu 5 féminicides. Alors, le Républicain Lorrain recueillit les témoignages de femmes, et notamment de femmes qui ont réussi à s'échapper de l'emprise de leur mari, comme celui de Désirée, une jeune femme qui habite à Metz et qui a réussi à s'échapper du domicile conjugal. Et elle le raconte avec cette citation: « J'avais repéré le chemin, il était parti au travail, j'ai pris le bus, j'ai vécu 3 jours à l'hôtel, puis j'ai été hospitalisé. Il a ensuite fait un scandale à l'hôpital. » Allez, tout autre sujet à la une de la Dépêche du Midi, puisque ce sont les 80 km/h. Et oui, quand va-t-on revenir aux 90 km/h alors que le gouvernement a cette année assoupli cette limitation controversée à 80 km/h? Il y a actuellement 72 départements qui attendent de revenir à 90 km/h, une décision qui est risquée pour ces élus, alors qu'elle pourrait le faire augmenter leur popularité, mais elle pourrait aussi être à double tranchant, puisqu'elle pourrait les rendre impopulaires si jamais la mortalité augmente sur leur route. On comprend le lapsus, hein, Alex. Il faut dire que 80-90 km/h, c'est plus très clair, hein, Arnaud Benedetti. Oui, en effet. Mais enfin, en tout cas, c'était une des dispositions qui, vraisemblablement, contribuait à mettre le feu aux poudres dans la crise des Gilets jaunes. Et où, il faut noter, puisqu'on parlait de décentralisation et d'initiative des élus locaux, où le Sénat a joué un rôle important, puisque le Sénat a proposé justement que ce soit les conseils départementaux qui fixent la limitation de vitesse. Et de ce point de vue, le Sénat a vraisemblablement aidé le gouvernement, peut-être, à essayer de sortir de cette mauvaise perception d'une mesure qui a été considérée comme verticale, technologique.
technocratique et peu proche du terrain. Guillaume Doyen. Oui, c'est la mesure la plus fantasque dont j'ai entendu parler. Fixer la limite de vitesse par département. Et déjà qu'on ne sait plus trop, en général, sur l'autoroute, quelle est la bonne vitesse. Voilà, par département. Franchissez la limite du département, changez de limite de vitesse. Non, c'est absurde, 80 km/h, c'était abrupt, c'était sec, ça a fortement déplu, mais c'était quand même, le but était hautement louable. C'est absurde pour vous aussi, Samuel Rimaud. Bon, c'est d'autant plus absurde que, comment dire, demain, vous aurez des études prouvant que dans certains départements, avec certains dispositifs, on a pu réduire la vitesse ou l'augmenter. Enfin, c'est sans fin. C'est vrai que ça a été imposé de manière très verticale, très brutale, mais soyons sérieux, les chiffres apparemment prouve quand même qu'en termes de mortalité, c'est un effort qui porte ses fruits. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez une une comme celle de la Dépêche qui effectivement est assez surréaliste. Retour aux 90 km/h, c'est pour quand? Je vous annonce quelques unes similaires en changeant 2-3 chiffres dans les voilà, mois qui viennent. Vous aurez encore du boulot, Alex, sur ce sujet. Allez, tous les jours, nous avons souhaité nous rendre dans une rédaction locale. Et aujourd'hui, direction Amiens avec nos partenaires du Courrier Picard. Bonjour, Michael Tassard. Vous serez avec nous tous les lundis pendant les premières semaines puisque vous lancez aujourd'hui une opération intitulée Pic à venir. Vous allez consulter les habitants de la Picardie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, en fait, c'est la consultation qui, à notre sens, aurait dû avoir lieu en 2015 lors de la fusion des régions. Aujourd'hui, les départements de la Somme, l'Oise et de l'Aisne sont adossés au nord Pas-de-Calais. En résulte, une perte d'identité, une perte de fierté locale que nous avons voulu d'abord mesurer au travers d'un sondage que nous avons mené avec l'IFOP. Et ce sondage révèle, en fait, que si le sentiment de fierté d'appartenance à la Picardie est encore là, il y a une incertitude envers l'avenir et incertitude qui s'illustre au travers d'un chiffre. 71% des jeunes de la région n'imaginent pas faire leur vie ici. Donc c'est ce chiffre qui nous a mené à cette grande consultation pour essayer d'élaborer le schéma d'avenir de cette région. C'est pas notre rôle, mais notre rôle, c'est de dire aux décideurs ce que les Picards attendent d'eux, et sans doute le premier d'entre eux, puisqu'à l'issue de ces 9 semaines de consultation, nous enverrons un livre blanc à Emmanuel Macron, natif d'Amiens, pour lui donner l'état des lieux de chez lui. Et puis, on le disait, Michael, vous serez avec nous pendant 9 semaines, puisque chaque semaine, vous interrogez les habitants sur un thème différent. Cette semaine, c'est l'économie. C'est l'économie, c'est la mère des batailles, hein, on le voit dans le sondage que nous avons mené. C'est sur ce point-là que les Picards ont le plus d'attentes et d'espoir. Nous sommes dans une région qui a été marquée par quelques catastrophes industrielles, hein, la fermeture de Whirlpool, de Goodyear, mais parallèlement l'ouverture d'Amazon, qui ont donné de l'emploi et de l'espoir. Donc nos 7 rédactions locales feront un état des lieux de ce qui marche et de ce qui marche moins. Et on donnera encore une fois la parole aux Picards pour qu'ils expriment véritablement les attentes qu'ils ont en matière d'économie. Eh ben merci Michael Tassard, on suivra bien sûr ça tous les lundis. Rendez-vous donc lundi prochain. On remercie nos partenaires de WEO pour la réalisation de ce duplex. Guillaume Doyen, cette fusion des régions, cette nouvelle carte, finalement, on le voit, elle n'est toujours pas digérée par les habitants. Non, elle n'est pas digérée par les habitants. Quand on entend quand même d'abord que 71% des jeunes de Picard, là, l'excellente initiative du Courrier, ne feront pas, ne souhaitent pas rester là, si vous voulez, on se dit quand même qu'il faut, il faut mener des politiques adaptées au territoire exact, en diluant, si vous voulez, ce qui était une région dans les Hauts-de-France qui ne veut absolument rien dire, si vous voulez. Je pense qu'on a recréé une espèce de, bah, une espèce de centralisation à l'échelle régionale, quoi. Ça va venir de Lille, comme ça vient de Bordeaux dans le sud-ouest, etc. Donc là, effectivement, oui, ils ont eu du mal à digérer ça et ils ont l'impression qu'ils sont maintenant dépendants d'une autre capitale qui est régionale, celle-là, qui est Lille. Il y a 2 choses d'abord, si vous voulez. Je pense que ce sentiment d'abandon qui est exprimé par un certain nombre d'habitants dans des régions que l'on qualifie de périphériques, il est lié aussi
au recul de l'État en matière de politique d'aménagement du territoire. D'ailleurs, on ne parle plus de politique d'aménagement du territoire. Le mot même a disparu quasiment du vocabulaire politique. On parle de cohésion des territoires, mais ce n'est pas tout à fait la même chose sur le plan sémantique. Donc, cette volonté qui était exprimée par l'État, notamment dans les années 60 et 70, de permettre un développement régional qui soit un développement régional homogène sur l'ensemble du territoire, a été vraisemblablement abandonnée, et en tout cas, elle est perçue comme abandonnée. Alors après, sur la question de la taille des régions, en effet, la question qui se pose, c'est que si on veut finalement avoir des régions qui s'insèrent dans un modèle européen, qui soit le modèle que l'on connaît, il faut des grandes régions. Et donc, en effet, la taille critique nécessaire fait que vous avez un certain nombre d'identités régionales qui sont dissoutes dans des régions plus larges. Ce qui se pose aujourd'hui avec les Hauts-de-France se pose également dans le cadre de la Nouvelle-Aquitaine ou même à la limite dans le cadre de l'Occitanie, où vous avez d'un côté le Languedoc-Roussillon et de l'autre côté Midi-Pyrénées. Là aussi, vous avez dans le Languedoc-Roussillon une forte identité régionale qui s'exprime et qui peut quelque part s'exprimer et exprimer une forme de frustration par rapport au nouveau redécoupage territorial. Samuel Ribon. Le découpage des régions a été imposé, et comme disait tout à l'heure Guillaume, il a mis du temps à être digéré, donc on comprend le sentiment. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est le caractère vraiment intéressant de l'initiative du Courrier Picard, que je rapprocherais d'une initiative qui a été menée par la Montagne cet été, qui a décidé de mordre au mollet Guillaume Pépi et la SNCF pour la piètre qualité de la liaison ferroviaire entre Paris et Clermont, et qui a fini par obtenir la visite de Guillaume Pépi, qui a répondu aux lecteurs, qui s'est engagé, qui a engagé un vrai dialogue. Et je pense que c'est une manière d'associer aujourd'hui les lecteurs de la presse régionale aux vraies problématiques qui sont les leurs, et finalement peut-être à recréer ce lien que le politique, à force de redécouper, à force de re-hiérarchiser, a fini par casser un petit peu. Donc je trouve ça très intéressant, et c'est bien que Michaël Tassard ait pu s'exprimer là, que vous puissiez suivre ce dossier, parce que la PQR, c'est son boulot d'être auprès des gens. Et je pense qu'à travers ces deux initiatives, on voit que l'intérêt pour l'information locale est réel, en des temps où on ne sait plus trop à quelle région on appartient, à quelle métropole on appartient, et finalement dans quel pays on vit. Et on suivra cette initiative, hein, je le disais. Tous les lundis, dans Bonjour chez vous, nous avons souhaité être au plus près de vous. Aller chez vous, reportage en région grâce à nos partenaires des télés locales. Et on va prendre tout de suite la direction de Boulogne-sur-Mer. Le Brexit s'enlise, mais l'inquiétude en France est présente, notamment du côté des pêcheurs français. Reportage donc à Boulogne avec nos partenaires de WEO. Au loin, les côtes anglaises. Au milieu, l'objet de l'incertitude pour les pêcheurs français. Les zones de pêche. À moins de 2 mois d'un possible Brexit, avec ou sans accord, l'inquiétude grimpe pour les marins de Boulogne-sur-Mer. Ils réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires grâce aux eaux maritimes britanniques. 50-60% de notre pêche qui est là-bas actuellement. Ça fait mal, on va se rabattre tous dans les eaux françaises. La cohabitation avec les chalutiers, les filets, les caseilleurs, à tout, il y a un moment, il ne va plus avoir assez de place, quoi. Problème, si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord, les bateaux français n'auront plus accès aux eaux britanniques. Pourtant ici, c'est une zone indispensable, notamment pour la diversité d'espèces de poissons qu'on y trouve. On cible surtout, nous côté anglais, c'est surtout le turbo, la raie, un peu la sole aussi. Et en fait, on suit le poisson, quoi. Quand le poisson est côté anglais, on va le chercher côté anglais. Nous, c'est 50% du chiffre d'affaires. Tout se joue en fonction de ces cartes maritimes. Au comité des pêches, on craint l'embouteillage dans les eaux françaises. Cette bande-là, c'est la bande anglaise, et là, actuellement, les pêcheurs français des Hauts-de-France, ils pratiquent la pêche à 75% de leur temps. Si demain il y avait un Brexit dur, on se verrait rapatrier tous les pêcheurs de l'Europe, que ce soit les Belges, les Anglais, enfin les Belges, les Hollandais et les Français, dans toute la partie des 12 000 Français. Les pêcheurs français espèrent trouver un accord avec leurs homologues britanniques avant le Brexit. 200 navires dépendent directement des eaux anglaises pour réaliser leur chiffre d'affaires. Arnaud Benedetti, les incertitudes sur le Brexit, eh bien, elles inquiètent les pêcheurs français à juste titre. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu une note récente de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord qui est assez intéressante et qui montre les conséquences que pourrait avoir un Brexit dur sur l'économie locale. Il faut rappeler juste un chiffre, c'est que près de 8% des exportations des Hauts-de-France vont vers le Royaume-Uni. Donc c'est dire l'importance des liens économiques qui existent entre cette région et le Royaume-Uni. Donc on voit bien que très souvent on parle des conséquences pour le Royaume-Uni d'un Brexit dur et on ne
parle vraisemblablement insuffisamment des conséquences que pourrait avoir le Brexit, un Brexit dur sur l'économie locale et notamment l'économie des Hauts-de-France. 45% des touristes, je crois, dans les Hauts-de-France sont britanniques. Vous avez près de 5500 entreprises des Hauts-de-France qui travaillent avec l'économie du Royaume-Uni. Donc on voit bien qu'il y a des régions frontalières qui vont être indéniablement impactées si ce Brexit dur voit le jour. Et il y a une inquiétude chez les habitants et chez les élus locaux des Hauts-de-France, Guillaume Doyen. Ah ben oui, ils s'inquiètent de savoir comment leurs marchandises vont pouvoir passer... passer la frontière. On n'est pas prêt pour l'instant de toute façon à mettre ça en place. Le reportage est extrêmement éloquent de ce point de vue. Un Brexit dur, on voit que c'est strictement impossible en réalité. C'est impossible à mettre en place entre les deux nations et entre les rapports que la Grande-Bretagne entretient avec la totalité de ses partenaires commerciaux. C'est une idée, c'est une abstraction aujourd'hui qui ne peut se heurter qu'à un mur, qu'à une violence extrême. Samuel Ribot. Oui, on a tendance à s'amuser un petit peu ou à sourire en regardant le spectacle offert par nos voisins britanniques, mais on a effectivement tendance à oublier que ça va nous impacter très fort. Deux exemples, la grève du zèle qui a été menée au niveau de l'Eurostar il y a quelques mois a montré à quel point les trains ne pourraient plus circuler si on devait appliquer des procédures douanières en cas de Brexit dur. Et puis, il y a eu des simulations du côté du Havre et d'un certain nombre de villes frontalières comme ça, où on a essayé de voir ce que donnerait la présence de douaniers et la fouille systématique, ou en tout cas beaucoup plus importante de camions, etc. C'est un bin, c'est pas possible. Il faudrait des parkings immenses de plusieurs hectares, il faudrait des milliers de douaniers, il faudrait des routes 14 fois plus larges. Que voulez-vous ? À un moment, on va se heurter à la réalité, oui. On va passer à votre nouvelle chronique, Alexandre Poussard, puisque chaque semaine, vous nous emmenez dans les coulisses du Sénat. Et oui, Oriane, et alors pour cette première chronique de la saison, j'ai voulu commencer par le son des tambours de la garde républicaine du Sénat. Écoutez. Président ! Alors beaucoup connaissent cette image de l'arrivée du président du Sénat dans l'hémicycle, mais personne ne connaît la salle d'où il sort. On appelle cette pièce le cabinet de départ et on a eu la chance d'y entrer. Alors ce cabinet de départ a été décoré au XXe siècle dans un style néoclassique inspiré par l'architecte Jean-François Chalgrin. Et c'est dans cette salle que sont fixés les derniers préparatifs des débats par le président du Sénat. Je vous propose d'écouter les explications d'Hélène Conway-Mouret qui est vice-présidente du Sénat et qui donc prépare les séances qu'elle préside dans ce cabinet de départ. J'arrive généralement un quart d'heure avant le début de la séance. Dans ce cabinet de départ m'attendent ceux qui et celles qui m'accompagnent pour la présidence. Et nous mettons à ce bureau et là nous examinons ensemble le dossier de séance pour voir où nous en sommes du texte, les difficultés que nous pouvons peut-être rencontrer, essayer de les anticiper, de les préparer ensemble. Alors une fois que tout ce travail est prêt, c'est l'heure du débat, de la séance publique. Et alors là, il y a tout un protocole qui rythme la sortie du président de séance de ce cabinet de départ. Écoutez Hélène Conway-Mouret qui le raconte très bien. J'appelle les sénatrices et sénateurs dans l'hémicycle. Au déclenchement de la sonnerie, les portes s'ouvrent sur la galerie des bustes. Un huissier annonce Madame la Présidente, le commandant militaire du palais, le général, s'approche, me salue, et nous remontons ensemble la galerie des bus jusqu'au plateau, où il y a un deuxième salut, puisqu'il m'a accompagné jusqu'au bout, je rentre dans l'hémicycle, au plateau, et à ce moment-là, j'active la cloche et la séance débute. Et voilà, la séance est ouverte. Alors pour la petite histoire, avant d'être le cabinet départ, le cabinet de séance, cette salle s'appelait le cabinet doré et c'est dans cette pièce que la reine Marie de Médicis organisait ses entretiens les plus importants. Merci beaucoup Alex, grâce à vous tous les lundis. On va découvrir les coulisses du Sénat, qui sont peut-être peu connues du grand public Arnaud Benedetti, mais c'est tout un protocole. Oui, mais vous savez, les institutions vivent par le symbolique. C'est la symbolique qui fait la force des institutions et qui fait leur durabilité. Ces protocoles qui parfois peuvent apparaître un tantinet désuets ont leur importance parce qu'ils assoient finalement notre croyance dans la force des institutions. Donc c'est extrêmement important.
intéressant et c'est très intéressant, notamment pour vos téléspectateurs, de pouvoir rentrer, j'allais dire, presque dans les cuisines de la politique pour voir comment finalement le pouvoir se meut dans son exercice quotidien. Guillaume Doyen, ça vous donne envie d'être sénateur ? Ça me donne envie d'être sénateur et c'est un rêve que je cultive de longue date et que vous allez tous m'aider à accomplir. Ah mais on sera là pour ça, Guillaume Doyen, vous inquiétez pas. Un petit mot, Samuel Ribot ? Il y a le même spectacle à l'Assemblée nationale. Et je dois dire que c'est assez drôle de voir les visiteurs à qui l'on demande soudainement de se plaquer quasiment contre les murs pour laisser passer le président et les gardes républicains et les tambours qui résonnent. Ça surprend énormément les gens. Oui, c'est la force des symboles. Je retiens quand même l'aspect un peu désuet. Il est probable que ce soit parfois un petit peu en décalage avec ce qui est devenu la société aujourd'hui. Mais bon, ce sont nos institutions. Voilà, et grâce à vous, Alex Poussard, eh bien, on suivra tout ça toutes les semaines. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce premier Club des territoires. Arnaud Benedetti, on va montrer la une de la revue politique et parlementaire consacrée à l'Europe. Guillaume Doyen, qui dirigeait la Gazette des communes. C'est à la une cette semaine de la Gazette des communes, Guillaume Doyen ? À la une cette semaine de la Gazette des communes. Qu'est-ce qu'il y a à la une ? Ah, le sujet que je peux vous recommander, c'est un excellent sujet là, qui est sur nos titres, sur la gratuité des transports en commun dans les villes. Très bon papier. Eh bien, on suivra ça. Et Samuel Ribot de l'agence de presse ALP. Merci Samuel. Arnaud Benedetti, merci. On vous retrouve vendredi. Et vous, messieurs, on vous retrouve tout au long de ces émissions. Merci à tous d'avoir suivi cette première émission de Bonjour chez vous. Prochain rendez-vous à 16h30. Nouvelle émission Allons plus loin, présentée par Rebecca Fitoussi, avec notamment un débat sur les pesticides. Et puis nous aussi, on parlera pesticides demain avec Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui sera notre invité politique. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux ou sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Bonjour chez vous, @publicsenat.fr. On vous attend demain. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. Avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des Agents des Services Publics Locaux, et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous a présenté le Club des Territoires.